Des blouses blanches d'Hippocrate sur Canal Plus à Marianne Chazelle en mère de village dans Deutschland sur Amazon, tour d'horizon des événements série de la semaine du 26 novembre au 02 décembre. Lundi 26 novembre France 2, Les Rivières Pourpres. Après Jean Reno, Olivier Marchal se glisse dans le costume de l'inspecteur Niémant pour de nouvelles enquêtes dans l'univers de Jean-Christophe Granger. Canal+, Hippocrate, Thomas Lilti décline son long métrage sur le milieu hospitalier en série, porté par Louise Bourgoin et Karim Leclou, deux épisodes par semaine. François, Cut, démarrage de la saison 6 de la série française, à 17h30. Série Club, Secrets Ennemis, Juliette Lewis poursuit ses investigations dans une deuxième et dernière saison, 3 inédits. OCS Choc, The Walking Dead, finale de la première partie de la saison 9 de la série zombiesque. Mardi 27 novembre TF1, Les Chamois, après le succès des deux épisodes pilotes en hiver dernier, la pension familiale rouvre ses portes pour un séjour à la montagne qui s'annonce mouvementé. W9, La Petite Histoire de France, la courte comédie française s'offre Jamel Debbouze et Olivier Marchal pour un prime exceptionnel de 90 minutes. Mercredi 28 novembre France 2, 10%, finale de la saison 3 de la comédie française, 2 inédits. Jeudi 29 novembre TF1, Demain nous appartient, Vanessa Demouy reprend son rôle de Rosa dans le feuilleton quotidien. France 3, Aux animaux la guerre, finale de la saison 1 du drame avec Roche Dizem, 2 inédits. Canal+, Témoins indésirables, coup d'envoi de la collection d'adaptation d'œuvres d'Agatha Christie. Cette première fiction voit une famille tenter d'élucider l'assassinat de l'une de ses membres. Arte, Au nom des Huppères, lancement de la nouvelle série du créateur de Borgham 6, La Faute, diffusion des deux derniers épisodes du thriller porté par Valérie Carcenti et Natasha Lindinger. W9, Wisdom, Tous contre le crime, Jérémy Piven incarne un brillant entrepreneur lancé sur les traces de l'assassin de sa fille grâce à sa dernière invention technologique. Vendredi 30 décembre M6, Quantico, Priyanka Chopra est de retour dans une troisième et dernière saison de la série américaine. Canal Plus série, Viking, démarrage de la deuxième partie de la saison 5 du drame historique, US Plus 2 jours. Netflix, 1983, mise en ligne de la saison 1 de la première série originale polonaise de la plateforme, ainsi que de Baby, drame italien sur un groupe d'ados en quête d'identité et d'indépendance. Amazon Prime Video, Deutschland, lancement de la comédie française sur un petit village forcé d'accueillir les salariés bavarois d'une entreprise de conception automobile afin d'éviter la faillite. US, The Pain, finale de la saison 1 sur OWN. Samedi 1er décembre Série Club, Salvation, lancement de la saison 2 du thriller SF américain. Altice Studio, Les Médicis, démarrage de la saison 2 de la série historique centrée sur Lorenzo le Magnifique. Dimanche 02 décembre, Night Flyers, coup d'envoi de la série d'épouvante sur Syfy. US, Camping, finale de la saison 1 sur HBO. Love.